Johnny Ferdinand, dit dans journée aujourd'hui, ça qui a passé dans le pays, nous voyons que depuis le gouvernement s'est créé ça à Montréal, nous voyons ces promotions qu'il a fait. Journée aujourd'hui, ils sont deuxième par emmerdé. Ça veut dire par emmerdé, c'était pour Agilité, qu'on est là, et Johnny sont deuxième par emmerdé. Là, dit que va chercher Zo, lorsqu'on parle de Mounsa va chercher Zo, c'est pas par emmerdé seulement qu'on va chercher Zo, journée aujourd'hui, Johnny sont nous qui va chercher Zo. Ça veut dire, lycée porte-parole, Gary Conny, c'est lui-même qui a fait conseil pour Gary Conny. Je dis, nous n'avons pas besoin de pays comme ça, je veux dire. Lorsque petit peuple, ou sorti dans le central peuple, ou doit en faveur des peuples. Regardez qui problème la Tibonite là. Regardez, nous besoin de production nationale là pour le remonter. Parce que terre qui la Tibonite là, nous avons besoin de travailler. Je dis, nous avons faire, ils ont plaidoyer pour la Tibonite parce que sont la Tibonite. Mais ce n'est pas de question, madame Zéke, retirez pied, mettez pied pam, et puis nous même continuité à là, et puis nous avons pays ça, et toujours dans la même situation. Je dis à nous avons deuxième par emmerdé. Nous avons deuxième par emmerdé. Qui est-ce qui est deuxième par emmerdé? Johnny Ferdinand, Radio Caraïbe, c'est lui-même nous qui a promoté ça et les Gary Conny. Léo Vini pour faire émission, nous avons chaque jour chita, c'est des Gary Conny qui a parlé. Je dis à nous comprenons plus le doyer Johnny Ferdinand a fait. De pays à que un pays qui trouvait nos situations qui pas gagné monde qui pour dire qui ça que pays ça qu'il doit faire pour sortir dans situation ça. Je dis à nous à travers de 37 mois Ariel Henry nous ouais tout ministère ça yo. Je dis à n'a demandé pour doit gagner un scellé une enquête profonde qui pour fait sous tout le monde qui participait dans le gouvernement Ariel là, soi-disant, yo dit c'était ministre qui était, mais nous pas qui ça a été réglé dans le travail qui est. C'est gagoté ou gagoté comme là. L'autre ministre de santé, nous devons avoir une enquête profonde qui fait sous le ministre de santé. Nous devons avoir une enquête profonde qui fait sous le ministre de travaux publics là. Nous devons avoir une enquête profonde qui fait sous le ministre de l'environnement. Nous devons avoir une enquête profonde qui fait sous le ministre de justice là. Parce que Mounsayo, yo gagote l'argent, yon pays tombe dans une situation profonde, et nous pouvons payer ça, je ne dis pas, pas de l'autre moyen pour nous sortir la dernière, c'est le peuple haïtien qui peut accepter à l'affronter Mounsayo, parce que Mounsayo, si nous ne pouvons pas affronter Mounsayo, je ne dis pas, et à travers le gouvernement, cette crise qui a Gary Conny la dernière, qui sorti, moi je suis capable de dire Gary Conny sorti en exil, parce que depuis après, elle a fait 4 mois mandat là, c'est la balle d'aller, elle a joué mettre encore. Et c'est mettre qui retourne avec lui. C'est même continuité à elle. Je dis, nous disons, le pays n'est pas capable de rester dans cette situation. Il faut que nous allions chez nous. Et ça fait tout autant que la bataille comité 100% diaspora a fait, nous disons qu'il faut que la décentralisation de l'État. Décentralisation de l'État, c'est porter un changement total pour le département, porter un changement total pour les paysans. Je dis, nous avons un deuxième par emmerdé. Nous avons un deuxième par emmerdé. Qui est-ce qui est deuxième par emmerdé? Johnny Ferdinand, Radio Caraïbe, c'est lui-même nous qui a promoté ça et les Gary Conny. Léo Vini pour faire émission, nous chaque jour, c'est des Gary Conny qui a parlé. Je dis, nous comprenons plus le doyer Johnny Ferdinand a fait. Alors nous voyons tout le monde qui dit qu'il sorti dans l'entraille du peuple, et puis c'est eux-mêmes qui ont fait le peuple passer misère. Je dis à la comité 100% diaspora, dit non, bagala pas carité comme ça. Faut que nous changions fusil ou d'épaule. Faut que nous gagnions les colonnes vertébrales. Faut que nous placions tête nous entre deux épaules nous pour nous dire Haïti pas qu'à périr. Je dis à moun sa yo mette tête yo ensemble avec Occident. Une série de radio ténor, une série de journalistes ténor. Je dis à côté Jean Mouna. Il finit craser pays là. Qu'on y a c'est Johnny Ferdinand. Qu'on y a là qui a fait propagande pour yon couleur cette tête. Qui a fait propagande pour Gary Conny. Qui te dit que quel que soit Jean Saïe, pas de monde qui est capable de dire pour venir remplir un rôle dans l'État. Je dis à Gary Conny, pas de colonne vertébrale. Parce que yon moun nous doit camper des paroles. Je dis à si nous, Gary Conny, venir dans le ça, c'est mettre qui vaut il, c'est Occident qui vaut. Je dis à faut nous comprendre côté moun sa yo vle enterrer pays d'Haïti. Et nous, même dans le comité 100% diaspora, ensemble avec Réveil National, Projomo, plusieurs organisations de masse, Fonot, nous dit Batala, l'IPAP Topé, et nous dit tout le monde qui chita la cap créer parti politique, cap créer organisation, son organisation, l'okre parti politique, sous parti politique, nous pouvons ces peuples là qu'on divise, jour et jour, nous pas besoin de tout bagay sa yo. Nous besoin de moun sérieux, moun qui dit yo wè pays. Et sous wè pays, ou pas accepter rejoindre le comité 100% diaspora, ou pas accepter rejoindre Fonot, ou pas accepter rejoindre Projomo, ou pas accepter rejoindre Réveil National. Côté nous-mêmes, nous dit faut que Haïti change. Et pour Haïti changer, c'est tête ensemble pour nous changer. Merci la presse. Salut la presse parlée.
la presse écrite, la presse télévisée, la presse en ligne. 7 juillet 2024 là, l'affaire 3 l'année depuis sans vergogne. Politicien Rado Kale mêlé ensemble avec Occident international là, yo mette fin dans la vie président Jovenel Moïse, yon président qui était accepté rentrer dans bataille pour être capable de mettre le pays d'Haïti sous rail développement, assassin sans froid ni loyau. Yo pas voulu le pays d'Haïti avancer vers l'avant, yo pas voulu le prospérer, eh bien, yo mette fin dans la vie président. C'est une course, c'est une bataille. Et à chaque fois, moment ça arrive, c'est de l'eau dans les yeux. Chaque monde qui était ouais dans le président Jovenel Moïse était capable de gagner, ils allaient mieux. Et donc, pour cicatrice, ça, ce n'est pas une cicatrice qui a jamais sorti dans la vie du peuple haïtien et du monde qui est dans la diaspora. Et donc, pour nous débattre du système, ils ont soufflé. Là où pensez première année à passer indifférent, le comité 100% diaspora dans l'initiative, il dit, ça n'a pas qu'à arrêter comme ça, il faut que vous offriez au président Jovenel Moïse une belle commémoration qui digne. Et c'est alors que nous montons une commission et qui bien plusieurs organisations de base pour nous mettre tête ensemble, pour nous faire une belle commémoration dans l'année 2022. Et nous avons une commémoration, ça, comment elle est sortie, c'était dans tous 10 départements. Nous avons bail politiciens Rado Kale, nous avons soufflé. 2023, nous avons fait encore. Mais nous n'avons pas fait sans support diaspora. Nous n'avons pas fait sans support monde qui était accepté, dit, sans président Jovenel Moïse, il n'est pas coulé pour grand messie. Et dans l'année 2024, là, nous disons que ça n'a jamais été comme ça. Et nous voyons aussi à clair. Bay tout mercenaire, à chaque fois que laisse apparaître, c'est moment ça yo créer diversion, c'est moment ça yo créer frame. Nous te vendredi, qui était 7 juillet 2023, côté commémoration président Jovenel Moïse t'a fait dans tout département. Nous te wè dans dimanche, côté Occident mêlé ensemble avec politiciens Rado Kale yo, yo vini ensemble avec yon marche de pasteur Grégory dans lundi 6 pour pas gen moun k'ap pale de commémoration président Jovenel Moïse. Nous comprenons tout jouet sa yo, nous comprenons tout mal taillé sa yo. Je dis à la population à l'éclair et nous kwè peuple a pas dû regretter dormir de yo. Et n'ap di ensemble avec toute organisation, tout moun qui pense que pays d'Haïti pour sortir dans situation difficile ça, il pas capable sortir dans chirépite, il pas capable sortir dans zigzani. Elle n'est pas capable de sortir tout dans petit groupe qui a créé par-ci par-là. Tout petit groupe qui a créé par-ci par-là, nous croyons que c'est dos à dos que nous mettons. Parce que chaque monde a un petit groupe par nous. Et là, il y a un petit groupe par nous. Il est très difficile pour nous-mêmes, pour nous coopérer. Il est très difficile pour nous avancer. Le comité 100% diaspora dit nous, c'est le moment pour nous rassembler nous ensemble. Ce n'est pas faire petit groupe, petit pile par rapport ici. Mais nous croyons changement pays d'Haïti, c'est mettre pour nous mettre tête nous ensemble. Pour nous voir comment nous sommes capables de démasquer le système président Jovenel Moïse voulait démasquer. Je dis à nous que la bataille est lancée. Commémoration, nous que chaque monde capable de faire une commémoration. Mais respecter une organisation qui est venue ensemble avec l'initiative. L'initiative pour dire faire une commémoration dans tous les départements pour faire oligarque reconnaître le président Jovenel Moïse, les patrons Pitimi Sangado. Nous l'ouvrons bras ensemble avec toute organisation. Nous le vibrons ensemble avec la famille président. Et nous pouvons, la famille président, l'année 2023, nous avons bail comité 100% diaspora, yon honneur qui méritait dans Madeleine. Côté nous avons chauffé Madeleine. Et année ça, nous dit toute organisation de base qui a accepté rentrer dans l'initiative. Pro Jomo, Fronod, plusieurs organisations de base, militants qui ont accepté pour Omaï ça, l'été capable propice. Et nous pouvons sans participation diaspora, nous pouvons hommage à l'Ipatab, jamais capable de propice. Et ça qui fait l'honneur du comité 100% diaspora, l'obéi comité 100% diaspora dit good,
et bien 10 gouttes la comité 100% diaspora vient dire c'est 10 gouttes côté Bali et nous quoi commémoration ça il pas prêté indifférent nous